Le seul projet que je me donne, c'est d'être la meilleure version de moi-même tous les jours. Je suis Elisabeth Narin, j'ai 35 ans et j'habite à Orléans. J'ai été diagnostiquée en septembre 2017 d'un cancer métastatique du poumon. J'ai été secouée. On ne sait pas ce que c'est qu'un cancer quand on ne l'a jamais vécu. Et la seule image que j'ai d'un cancer, c'est ce que je voyais à la télé, ce que je voyais dans les médias. Mais réellement, quand on me dit « j'ai un cancer », pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. J'ai aucune personne qui a été de mon entourage proche touchée par un cancer. Donc pour moi, vraiment, le cancer, c'était vraiment quelque chose de nouveau. J'ai été très, très, très entourée, autant par ma famille que par mes proches, les amis, que par aussi mon employeur. Mon défi aujourd'hui, c'est de vivre et d'être moi et de pleinement pouvoir être moi. Je me sens parfaitement bien. Je crois que je n'ai jamais ressenti une osmose totale avec moi-même et surtout ce cancer m'a libérée. Le conseil que je donnerais à une personne qui traverse cette épreuve, c'est de se faire confiance. Pour avoir confiance en soi et confiance en son corps, il faut pas l'abandonner parce que son corps il a besoin de son esprit et de tout son être pour guérir.